Dieu te fait passer au feu pour t'éprouver, ce n'est que pour te purifier. Et te donne un don pas devant ce chemin-là, l'obéissance à toi. Lève les yeux vers lui, car il t'a précédé. Chapitre 90. Ceux qui ne savent pas, c'est le psaume de Moïse, sa prière. Nous lisons. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fissent nées et que tu aies créé la terre et le monde.
D'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. Tu as fait rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe et les frayit le matin et les passe. On la coupe le soir et les sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour le pluripotentiaire à 80 ans. Et l'orgueil qui en tire n'est que peine et poussière. Car il y passe, oui, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui te dut, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasiez-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, que ta gloire sur les enfants, que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'en donne. Les vases déchaînés, nos cœurs sont en paix, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Ce qui nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous le remercions pour tout ce qu'il fait pour nous. Et nous sommes de ceux-là qui sont appelés à pouvoir le glorifier et l'honorer effectivement dans notre vie pour que ceux qui sont mourants dans ce monde puissent réellement réaliser que le Jésus de la Bible vit dans son peuple. C'est comme la Bible l'a dit aussi, que s'il consent à donner sa vie, il verra une postérité et il prolongera ses jours. Et c'est ce que nous désirons aussi, que le Seigneur notre Dieu prolonge ses jours en nous. Et que réellement, que nous puissions être ceux au travers de qui le monde peut aussi le glorifier et l'honorer aussi. Nous remercions notre Dieu pour tout ce qu'il permet qui arrive dans notre vie. Et ça, nous lui serons toujours reconnaissants toute notre vie. Comme il nous l'a fait savoir aussi, que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel, même si c'est des moments très difficiles, mais nous savons que tout cela concourt toujours pour notre bien. Il a plu au Seigneur notre Dieu de prendre la maman de notre sœur Dorine. Je crois que chacun de vous est au courant. Et que le Seigneur bénisse notre précieuse sœur. Vous savez, ça m'a vraiment touché. Non. Sa maman est là, dans la morgue, et elle se tient ici pour chanter. Sister Dorine, God bless you, Richard.
what you did tonight to, I don't know, I'm speechless. And God bless you. And yeah. Que Dieu le bénisse, sèchement. C'est extraordinaire quand même, c'est vrai. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Quand un membre de ta famille, là, est alité, allongé, tu ne peux pas te mettre debout pour chanter. Mais là, nous avons vécu quelque chose d'extraordinairement merveilleux. Que Dieu bénisse notre sœur. Qu'il la fortifie beaucoup. C'est cela qui nous console aussi, de voir que nous avons des fils et des filles de Dieu, malgré les difficultés qu'elles peuvent traverser, mais Dieu d'abord. God bless you richly now. Nous allons donc prier pour elle. Tendre Père et précieux Sauveur, oh, nos cœurs sont vraiment touchés. Nous pouvions penser que notre sœur serait là, assise dans la tristesse, en pleurant, parce que à cette heure-ci, sa maman est là-bas, allongée, percée en Dieu, sans souffle de vie. Mais elle est venue dans ta maison, mon bien-aimé Père Tibissé, on n'a pas voulu manquer ce moment. Jésus-Christ, mon roi, que tu la bénisses richement, Père. Que tu puisses consoler ta fille, mon roi, la soutenir aussi, Père Saint, parce que ce n'est pas très, très facile, mon Père. Oh, Dieu du ciel, mon âme te loue et te glorifie. Quand je peux voir cela dans tes enfants, c'est une grande consolation aussi, mon Père Saint-Dieu. Je louerai ton nom tant que je vivrai, Seigneur, en voyant ce que tu fais dans tes enfants. Bénis richement notre sœur Dorine, Père, que tu puisses la consoler, mon bien-aimé Patibissant, puisse encore la soutenir dans cet état dans lequel elle se trouve. Elle n'a pas voulu rester à la maison, Patibissant, mais elle est venue dans ta maison, Père Saint-Dieu, malgré que sa mère est là allongée. Mon Dieu, mon roi, souviens-toi de notre précieuse sœur. Que ta bénédiction du ciel soit accordée à sa famille aussi, bien-aimé Père Tibissant, à son mari, à ses enfants qu'il va avoir. Père Tibissant, bénis ta fille, mon bien-aimé Père. Nous te remercions. Console-la. Console aussi ses sœurs qui sont aussi aujourd'hui en pleurs, mon bien-aimé Père Tibissant, d'avoir perdu une maman subitement comme ça, Père Dieu. Mais tu es le Dieu qui connaît toutes choses, mon sauveur. Console aussi ceux qui sont là-bas aussi en Afrique, Père oh Dieu, et que tu la soutiennes aussi dans tout le projet. Il va arriver à pouvoir voir, Père. Merci, Père, oh, parce que tu es notre Dieu, que tu la soutiennes, que tu la fortifies, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, il est bon, notre Dieu. Mais il sait aussi consoler le cœur. Qu'il la bénisse richement. Nous voulons lire dans le livre de Romains, au chapitre 16, Romains au chapitre 16. Romains chapitre 16, nous lirons à partir du verset 17. Romains 16, verset 17, nous dit: verset 17, il nous dit: je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur simple, des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Maître béni, nous voulons encore te dire merci du fin fond de notre cœur. La grâce que tu nous témoignes encore, de nous montrer encore et de nous prévenir, de nous mettre en garde. Oh Dieu, sur le chemin sur lequel tu nous places. Seigneur Jésus, nous voulons te suivre pas à pas et obéir à ton évangile aussi comme
Tu l'as dit aussi, effectivement, nous croyons en toi et nous te remercions, Père Dieu. Puisses-tu encore nous assister, nous conduire encore en ce temps, et pouvoir aussi, pour ta parole, Père Dieu, pour les laps temps que nous avons encore, Père, béni sois-tu encore et pardonne-nous encore, car je t'ai ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous réalisons et que nous constatons qu'effectivement, que le Seigneur, notre Dieu, veille sur son peuple et qu'il a réellement veut que son peuple soit gardé dans la voie que lui-même il a tracée. C'est pour ça que il veille de telle sorte qu'effectivement, que même pendant que vous ne voyez pas, que le peuple ne voit pas, mais lui, le Seigneur, effectivement, il veille. Parce qu'on nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui veille sur Israël. Et alors, on nous fait aussi savoir que nous sommes le troupeau de son pâturage, que sa main puissante et glorieuse conduit encore. Oh, et puis plus loin on nous dit encore, oh, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce qui veut dire que le Seigneur veut que nos oreilles à nous soient attentives à ce que lui, il déclare. Ce n'est pas pour rien qu'il insiste encore toujours au verset que nous recourons à plusieurs reprises, effectivement, en disant, mes brebis entendront ma voix. C'est particulièrement important parce que quand il dit que mes brebis entendront ma voix, et puis ils ne suivront pas la voix d'un étranger. Ce qui veut dire que les faits qu'ils ont reconnu que cette voix est la voix du Seigneur, il va y avoir d'autres voix qui vont venir après, qui vont chercher effectivement à pouvoir dire des choses qui sont contraires à ce que le Seigneur a eu à pouvoir dire, mais d'une manière tout à fait détournée. Mais lui, il veille à ce qu'effectivement que son peuple puisse demeurer dans la voie, comme l'apôtre Paul disait à Timothée, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et que tu as aussi reconnu qu'elles sont donc certaines. » Et c'est aussi important qu'il l'ait déclaré, effectivement aussi, je crois que dans Actes au chapitre 20, je suppose que cela, c'est lui, Actes chapitre 20, il disait quelque chose de très important quand il appelait les anciens qui étaient donc à Milet et qui sont donc venus. Et alors, il exprimait quelque chose qu'il disait, lorsqu'il a eu à pouvoir dire répétement au peuple, a eu effectivement dit, bon, que je vous ai donné tout le conseil de Dieu, effectivement. Alors, il a dit quelque chose, effectivement, dans les Saintes Écritures. Il a fait savoir, je crois que c'est à partir du verset 20, je suppose que c'est là qu'il est. Voilà. Il dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était donc utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant donc aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais donc à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement des villes, l'Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pas pour moi aucun cas de ma vie, et comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et les ministères que j'ai reçus du Seigneur Jésus, vous entendez, d'annoncer la bonne nouvelle par la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous qui me dites j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai donné tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez garde. Écoutez bien. Prenez garde donc à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son sang, son propre sang. Je sais, voici verset 29, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, de loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Alors, c'est toujours de cette façon-là que le diable, en fait, travaille. Vous remarquerez très bien, lorsque la parole est
prêché et que le Seigneur ait parlé, pour que vous puissiez voir effectivement aussi, il ne vient pas avant. Vous pouvez le regarder, hein, lorsque le semeur, il attend toujours que la bonne semence soit semée. Ah oui, c'est ça que vous devez être très attentif. Quand Dieu parle, sachez que l'ennemi viendra après, chez vous, dans votre pensée, ou d'une manière ou d'une autre, effectivement. Il viendra vous pousser à pouvoir vous dire des choses contraires à ce que la parole de Dieu... Ah oui, il va peut-être un peu diluer des choses, vous faciliter un peu des choses, un peu des choses comme ça. C'est que il veut vous faire sortir de la voie dans laquelle Dieu vous place, parce que si Dieu vous place dans cette voie-là, il sait le pourquoi. Alors, vous vous souvenez que quand la bonne semence est semée, eh ben, il est venu par après. Et regardez très bien, dans les jardins d'Éden, c'était comme ça aussi. D'abord, c'était la parole que Dieu a donnée. Adam, et lui, il vient et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, vous remarquez très bien que c'est là que nous devons être beaucoup plus prudents, beaucoup plus attentifs envers nous-mêmes. Et ce qui veut dire aussi que, vous savez, le diable travaille aussi dans nos pensées. Bien sûr, c'est là parce que il vient pour pouvoir commencer aussi à pouvoir t'injecter aussi des pensées. Oui, tu vois, c'est toujours comme ça. Non, non, non. Toi, si tu es un enfant de Dieu, comme le Seigneur l'a dit, mes brebis entendront ma voix. Donc, quand tu entends la voix du Seigneur, c'est sur cette voix que tu dois te fixer. Quand toi, tu as vu que cela est conforme aux Saintes Écritures, même si ça t'arrange pas comme toi tu es, c'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu a dit. Alors, si Dieu l'a dit, alors certainement, comme l'apôtre Paul le fait savoir effectivement ici, il dit, certainement, je crois que c'est dans Romains chapitre 16 que nous avons lu, il dit ici, voilà, voilà. Il dit verset 19, il dit, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Voilà la chose qu'il privilégie en fait. Pour que nous puissions comprendre réellement ce que Dieu cherche. Vous savez vous-même qu'effectivement que tout ce que la force que Satan met, c'est pour toujours pousser le peuple de Dieu à la désobéissance. Ça, c'est ce que vous pouvez arriver à pouvoir. Toujours en fait, parce que quand il remarque effectivement que le Seigneur commence à pouvoir agir et que le peuple de Dieu se met en ligne, vous allez voir. Hein, mais vous le verrez donc. C'est-à-dire que il y aura des choses qui vont susciter à gauche et à droite, toujours en fait, pour que vous puissiez être. Par exemple, si on nous a parlé effectivement du zèle, les ailes de ta maison dévorent. Parce que vous devez comprendre que un fils de Dieu, ce que son Dieu attend de lui, c'est les ailes dans tout. C'est-à-dire que les ailes, ça veut dire que l'empressement de mettre la chose qu'on vient d'entendre en pratique, l'empressement de pouvoir faire ce que Dieu veut, quand Dieu demande rapidement, on le fait, c'est-à-dire que on ne met pas à côté, si Dieu a dit qu'il faut prier, donc je mets d'abord la prière avant autre chose. C'est-à-dire que chaque chose, mais c'est ce qui est important, frère. C'est-à-dire que souvent, nous mettons, bon, ça je vais le faire après. Non, les choses qui concernent Dieu, on ne les fait pas après. Ce sont des choses qui sont premières. Les autres choses, oui, après. Mais quand il s'agit des choses qui concernent Dieu, non, faisons-le maintenant. Parce que vous savez, plus on fait pour Dieu maintenant, alors les diables, l'ennemi, n'a plus la force de pouvoir maintenant avoir l'emprise, bien sûr. Mais quand vous dites, non, je fais ça après, tu donnes la possibilité à l'ennemi. Et pouvoir d'abord te donner, non, 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 non. Quand la chose, non, j'ai entendu, Dieu a dit, voilà ce que nous devons faire, c'est ça. Oh, sœur, tu sais, c'est, non. Ça, c'est ce qui est la parole de Dieu dit. Alors moi, je continue là-dedans. Parce que vous verrez qu'effectivement, que sur le chemin, il y aura de ceux qui viendront vous détourner avec des paroles. Bien sûr, il y aura toujours beaucoup. Quand Dieu a parlé, vous remarquerez très bien que après vient le combat. Mais le combat, c'est de quoi? Mais c'est la mise en pratique de la parole. Nous rentrons dans nos habitudes, mais Dieu dit que tu sautes dans tes habitudes. Et la fausse opinion, c'est pas un problème. Et puis les gens disent, ouais, Dieu comprendra, Dieu me comprend. En tout cas, il faut oublier cette pensée dans laquelle vous êtes toujours, oui, Dieu va me comprendre. Quand je ferai comme ça, Dieu va me comprendre. Jamais. Dieu, s'il vous plaît, frères et sœurs, Dieu ne comprend que sa parole et ce qu'il a dit. Pas autre chose. Mais regardez bien, d'abord, prenez juste un exemple.
pour que vous puissiez un peu voir comment l'ennemi travaille aussi. C'est important pour nous. Quand le Seigneur a envoyé Samuel vers Saul, Saül, il a été clair. Il lui a dit, ainsi parle l'Éternel. Donc quand il dit, ainsi parle l'Éternel, il dit, mais voilà, c'est vrai, frère. Je crois que, je ne sais pas, mais bon, je pense qu'il a été plus que clair. Il dit, je me souviens de ce que Amalécite a fait à Israël lorsqu'il était sur le chemin de son devoir. Maintenant, je t'envoie, toi, tu vas là-bas exterminer, même parce qu'on a pitié des bébés, on sait ça. Même les bébés, tout ce qu'il y a là-dedans, non, tu les fais passer par les filles de l'épée. C'est Dieu qui a dit. Bon, que ça ne me plaise pas, parce qu'un bébé, quand même, tu dis, il est innocent. Vous dites, oh, c'est l'homme. Non, ben, mettez-vous un peu dans la personne. C'est comme aujourd'hui aussi, hein, quand Dieu vous dit quelque chose, vous dites quand même, c'est Seigneur, c'est ça vraiment, c'est. Non, là, il a dit, même un bébé qui a la mamelle, les petits bébés là, que la maman donne les seins, tu connais le cœur de maman, et toi, on t'envoie, on te dit, toi, va tuer ce bébé là. Tu pourras, tes sentiments humains vont te dire que non, c'est quand même Dieu. Dieu comprendra. Que je n'ai pas tué les bébés parce qu'à mes yeux, il était innocent. Regardez. Et puis il a dit, mais tout ce qui est là-bas, les animaux, tout, vous voulez parler, ça vient exterminer. Mais regardez ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez prêté attention aux paroles que Saul a eu à pouvoir dire effectivement à Samuel. Quand Samuel est venu, et il a dit à Samuel, dit, mais alléluia, j'ai fait exactement ce que l'Éternel m'avait commandé de faire. Et c'est Samuel qui, maintenant, parce que Dieu lui a parlé. Parce que ça pouvait passer comme ça, c'est une chose normale, hein. Non, mais Dieu lui a parlé, il dit, mais, dit Samuel, mais Saul ne fait pas toujours ce que je lui dis. Mais quand même, il est quand même parti, non? Il a voué par interdit ce qu'il avait voué, parce qu'on le sait, non? C'est quelqu'un qui a dit, mais il a fait, il a accompli la parole de Dieu. Il dit, mais j'ai accompli la parole de Dieu. Mais il n'a pas fait ce que Dieu lui avait vraiment dit. Parce qu'il dit à Samuel, je pense que c'est cela, si vous pouvez le trouver ici dans le livre de Samuel, je pense, oui. Samuel, chapitre 7, je pense que c'est cela. Voilà. Kinza. Voilà. Et nous lisons des portions simplement. Alors, chapitre 1, 15, 1 Samuel 15, verset 1 dit, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te rendre sur ton peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma les chemins à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Vous entendez, non? Et tu feras mourir hommes, femmes, enfants. Et qui ça? Nourrissons, bœufs, brebis et chameaux. Et âne, pardon. Et chameau et âne. Donc, c'est-à-dire que ça a été, l'ordre a été clair. Mais voilà que, et au chapitre 15, verset 20, maintenant, quand Samuel est parti vers lui, verset 13. Alors, Samuel se rendit donc auprès de Saül, et Saül lui dit, « Béni soit l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Vous suivez? Alors Samuel lui dit, « Mais qu'est-ce que donc que ces bêlements de brebis qui parviennent à mes oreilles et ces mugissements de bœufs que j'entends? Si donc tu as donc observé, la parole de Dieu était assez claire. Bœufs, ânes, chameaux, tout ça, femmes, hommes, nourrissons, bébés, tout ça. Voué par interdit, et lui-même, tu ne l'épargneras pas, donc tu voueras tout par interdit. Donc si on dit voué tout par interdit, ça veut dire que rien ne doit rester. Rien ne doit rester, en fait. On est trop complaisant envers nous-mêmes. Alors regardez, maintenant, ici, il lui dit, oui, j'ai écouté la parole de l'Éternel. Donc qu'est-ce donc ce bêlement, cette mission de bœuf que j'entends?
Et Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné. Vous suivez bien? Les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et les restes, nous les avons donc dévoués par interdit. Donc on dit, ah, Dieu va accepter, Dieu va comprendre. C'est toujours comme ça qu'on pense, hein. Dieu comprendra que, tu vois, j'ai quand même pris les meilleurs, c'est pour Dieu. Les meilleurs, c'est pour Dieu. Je vais offrir Dieu ce qui est meilleur. Donc là, dans cette circonstance-là, il va comprendre. Mais vous avez remarqué? Ça, c'est votre pensée. Ça, c'est ça, par ta façon à toi de pouvoir. C'est pour ça, frères et sœurs, il faut que vous compreniez que c'est pour votre bien. Ne soyez jamais vous-même votre propre pasteur ou prédicateur, pour l'amour de Dieu, frère. Ça, je vous en supplie. Je parle aux fils et aux filles de Dieu, pas à tout le monde. Je le répète encore. Vous, frères, vos sœurs, vous devez toujours être obéissant à ce que le Saint-Esprit dit dans sa parole. Vous n'allez pas venir pour me dire, frère, moi le Saint-Esprit me conduit à pouvoir voir comme ça, à pouvoir. Il faut toujours se poser la question, parce que toi, tu n'es pas un prophète. Toi, tu n'es pas un saint. Parce que le Seigneur, notre Dieu, a une façon particulière de conduire ses serviteurs, parce qu'il les place où? Il faut que ça doit entrer en vous. Je parle bien sûr en répétant aux fils et aux filles de Dieu qui ont la crainte de leur Dieu, qui ont l'obéissance à l'intérieur. Ils ne vont pas se révolter contre un serviteur établi de Dieu. Non, 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 non. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur d'eux ponctue d'un amen pour ce que Dieu a fait comme choix. Est-ce que je parle bien? Je répète encore, pas à tout le monde, hein? Aux fils et filles de Dieu dont je suis convaincu qu'ils croient à la parole de Dieu. Pour quelle raison je suis convaincu? Parce que Dieu a placé l'obéissance dans leur cœur. Un don qui vient de Dieu, c'est pour eux, donc ils ressentent effectivement la profondeur. Quand Dieu établit un homme, l'obéissance est directement à l'intérieur. Parce que quand on respecte l'homme que Dieu a établi, on respecte Dieu. Ah ben voilà. C'est clair comme on dit, comme l'eau limpide, comme l'eau claire. Il n'y a pas à chercher à pouvoir expliquer, non monsieur. Ah, et là, il trouvait meilleur à pouvoir dire, oui, le peuple a trouvé. Mais il a trouvé ça bon, donc l'inspiration qui est venue par la suite. Mais il a oublié une chose. C'est que, regardez comment Dieu est toujours clair. C'est Samuel qui lui dit, il dit, vous voyez bien, le chapitre 15, verset 1, l'Esprit, c'est merveilleux. Hein? Samuel dit à Saül, dit, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te rendre sur ton peuple. Toi, tu ne le savais pas. Donc, tu dois écouter ce que je te dis et obéir. Donc, manquer du respect à Samuel, c'est manquer du respect à Dieu. Désobéir à Samuel, c'est désobéir à Dieu. Bien sûr que oui. Oui, oui, c'est clair comme l'eau claire, limpide. Alors, je répète toujours, je parle aux fils et filles de Dieu. Pour que vous sachiez, vous qui êtes fils de Dieu, fille de Dieu, effectivement, que dans votre intérieur, Dieu a placé ce respect-là. C'est pourquoi vous voyez la différence. Une fille de Dieu, véritablement une fille de Dieu, ne pourrait jamais se révolter contre un serviteur de Dieu, établi de Dieu. Ah oui, ça doit être clair. Quand vous sentez maintenant la colère et l'irrespect à son endroit, ce que vous êtes en dehors. Ce n'est pas possible que Dieu étant dans son plan et que toi tu sois dans son plan et qu'il utilise une bouche par laquelle vous pouvez entendre sa voix
et que toi, étant fils de Dieu, tu te révoltes contre Dieu. Non, je vais vous montrer une chose. Quand Dieu a oint et qu'il a vraiment établi, malgré, parce que, vous savez bien, l'unction est tombée sur Saül. Hein? Samuel l'a dit. Hein? Mais vous savez, quand Saül a commencé, et vous savez, c'était le mauvais esprit est rentré, parce que vous connaissez, non? Vous savez cela. Il a commencé à poursuivre celui qui était le choix de Dieu. David. Dieu a dit de David, voici l'homme selon mon cœur. Si Dieu a dit c'est l'homme selon son cœur, qu'allez-vous dire? Il a été avec Bathsheba, la Bézézé, mais c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu, il te tient dans ses mains. Et frère, c'est son maître qui doit, il doit le juger. Et si Dieu a dit de lui comme ça, il ne s'est pas trompé. D'ailleurs, je vous l'ai toujours dit, c'est vrai qu'il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Mais de Bathsheba, est sorti que Dieu aime. Parce que c'est un homme que le Seigneur a donné une sagesse, le fils de David. Il n'a pas pris d'autre personne. Bon, c'est pour que vous compreniez qu'on ne peut pas juger les choix de Dieu. Alors, donc, nous revenions à ce que je disais, parce que nous allons voir les services des baptêmes. Vous remarquerez très bien que là, quand Saül a commencé à avoir de mauvaises pensées dans son cœur, le désir de pouvoir tordre le cou et tuer et couper la tête de David, Dieu a toujours protégé David. Jusqu'à ce que, dans la caverne de Makpéla. Ce que vous devez savoir, vous qui êtes des enfants de Dieu, vous ne pourrez jamais blasphémer contre le Saint-Esprit. Je parle bien aux fils et filles de Dieu, pas à tout le monde. J'insiste. Ah oui, c'est impossible que toi, un fils, une fille de Dieu, tu puisses blasphémer. Parce que si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, il n'y aura plus jamais de pardon pour toi. C'est la destruction complètement détruite. Mais puisque toi, tu es une fille de Dieu, un fils de Dieu. Donc tu es une partie de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Étant dans cela, quelque chose que Dieu est en train de pouvoir faire, tu es dedans, dans le programme. Alors, là maintenant, dans la caverne de Makpéla, terminons. Là, Saül qui détestait tant. David, il était là, la longée là, et David dans la caverne avec l'épée et tout ça, et même les serviteurs d'avaient dit, oh David, notre David, il dit, mais Dieu t'aime vraiment. Ah oui, mais frère, quand même, frère. Il dit, il te donne ton ennemi là. Parce qu'on connaît comment tu es chez les Philistins, tu coupes la tête de tout le monde. Ah mais vous savez, non? Il partait, il sortait, coupait la tête de tout le monde, les Philistins. Il dit, mais Dieu, comme tu es, c'est Dieu-là, tu l'aimes. Et puis tu es innocent. Et les messieurs ici, qui te cherchent partout, qui te créent des problèmes, qui te font fouiller même la paix des Philistins, tu n'as rien fait. Rien fait, mais il n'avait rien fait. Vous vous souvenez, il n'a rien fait. Tout ce qu'on devait faire, il a fait, tout ça. Mais c'est le mal à Jésus, oui, parce que Dieu l'a choisi. Et la colère s'est emparée de lui, parce qu'il avait un démon, bien sûr, un esprit mauvais. Et voilà qu'ils ont dit, mais vraiment, Dieu t'aime. Regarde, il est là. Tu coupes la tête, tout est malheur terminé. Tu ne vas plus fuir comme un... Ah oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Humainement parlant, c'est vrai. Mais frère, ton ennemi est là, mec. Achève seulement, c'est tout. Et puis, on crie victoire puisque tu en as fait avec les Philistins. Alors, oui. Vous remarquez, frère, c'est très important. Quand, vous savez, vous ne devez pas suivre la foule. Dieu garde ton âme. Dieu garde. C'est vrai, frère et soeur. L'influence du monde est quand même assez forte. Mais si toi, tu es gardé parce que tu es un enfant de Dieu. Je parle bien aux fils et aux filles de Dieu. J'insiste.
Alors voilà que aussi par l'influence, la pression, Dieu s'est dit, mais ah, ça peut être vrai que Dieu m'a livré mon ennemi ici, même ici dans la caverne, plus personne, donc moi couper la tête. Et il va. Il prend le manteau d'un bord, il coupe le manteau jusqu'à. Ouh. Son cœur a commencé à battre. Et dit, quoi? Il dit, mais le Seigneur lui rappelle, mais souviens-toi que j'ai quand même envoyé un prophète pour le joindre là. Aïe! Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a là? Ton ennemi? Non. Ça a changé. Il n'a pas dit, je ne toucherai pas mon ennemi, il dit, je ne toucherai pas le loin de l'Éternel. Alors comment vous pouvez manquer du respect en disant que nous sommes fils de Dieu, Dieu m'a révélé, Dieu m'a fait voir, j'ai vu ceci, et puis vous vous tenez devant un homme de Dieu, vous lui parlez comme c'était votre copain, votre gamin, et puis vous parlez de lui comme ça, comme vous. Frère, il y a quelque chose, peu importe le degré de spiritualité que tu peux être, tu ne pourras pas voir Dieu comme ça. Je parle bien au fils et aux filles de Dieu dans lequel là, cet homme de Dieu, je termine par là, dans Romains au chapitre 16, où il ne fait pas de cela, des choses qui nous concernent, en disant cela, dans Romains au chapitre 16, ah oui, là, il nous fait savoir, à vous, parce qu'il peut avoir dit, mais pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Comprenez très bien que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est-à-dire qu'il n'aura jamais la victoire. Surtout sur vous. Ni aujourd'hui, ni demain, ni même plus tard. Parce que vous l'écraserez. C'est ce que la Bible dit. Alors soyons vainqueurs. Soyons heureux. Vivons pour le Seigneur. Toujours pour le bien. Jamais pour le mal. Aimons Dieu. Aimons les frères. Lèvons-nous. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois à ton amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois ton amour divin. Chaque promesse d'aller.